town. You seem so fine when I've been stuck in the couch. Hey, what's new? I'm gone with the mouse. Gonna spread my word online. Are you ready now? Singing, ooh la la, get me out of here. Qu'est-ce que t'as foutu avec ta dernière vidéo? C'est nul. Cher adepte de Sagi, de Sagi. Mais voilà, t'as raison, je suis nul. La première, elle était parfaite. Non, mais j'étais bourré dans la première. Bon. On va refaire. Ah non. Non, 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 non. Non, non. Attends. C'est quoi ce délire? C'est une blague? Quoi? Il se passe quoi là? Respire calmement. J'ai reçu... On a reçu un don. Et donc? 7. 7 euros? 1000! 7000 euros! Ça, tu te rends compte? C'est trop loin, mais... Non, on est en train de voler les gens là! Tu te rends compte? Non mais qu'est-ce que tu peux être naïf? Un don de cette ampleur vient forcément d'un mécène! Ou d'une personnalité publique! Tu imagines que la notoriété de Camille intéresse les grands de ce monde? Non mais c'est flippant là! Ah, peut-être même le président de la République! Ou Elon Musk! Arnaud, j'ai pris une grande décision. Au fil du temps, Camille est devenue mon mentor. Mon idole, mon maître spirituel. Tu le connais depuis 6 jours. Mais le temps importe peu, j'ai été bouleversée à la lecture de ses maximes. Ah, quel passage en particulier? Chaque page est exceptionnelle. Bah oui. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire don de toutes mes économies à Sagi. Ça serait pas 7000 euros par hasard? Comment tu sais? Toi aussi t'as fait ce don? Écoute Clara. Non, non, ne dis rien. Je sais. C'est une somme importante, mais face à l'épanouissement spirituel, l'argent c'est quoi? C'est de simples petits bouts de papier. J'ai décidé de me reconnecter avec la nature et de m'éloigner de ce système destructeur, pollueur et capitaliste. Oui, en filant toutes tes économies à un mec qui te vend du rêve, c'est ça? Partons, Arnaud. Partons tous les deux, partons loin, partons heureux. Tu n'as qu'à vendre ton appartement et nous vivrons dans une ferme autonome en communion avec la nature. Écoute-moi bien, Clara. Moi déjà là, hein? Tu me vois là? Moi, je suis locataire, locataire. Arnaud, Arnaud, Arnaud. Et ensuite... Arnaud, je crois que tu devrais aller prendre l'air, hein? Il a failli me faire pleurer, ce con! Tu crois pas que t'es allée un peu loin, là, Clara? Non, je sais que j'ai fait le bon choix. Mais on parle de 7000 euros, là, quand même. Mais avec tout ce que Camille m'apporte, 7000 euros, c'est même pas assez. Non, mais tu te rends compte que t'as donné toutes tes économies à quelqu'un que tu connais même pas pour soutenir une cause dont on sait absolument rien? Tu veux que je te dise? Quoi? Ça sent l'arnaque, ton truc. Ma pauvre Elodie, t'as complètement perdu pied avec ton activité de trading, là, t'as perdu la vraie valeur des choses. Au contraire, je suis pragmatique. Mais tu vois, il est là ton problème, tu gères ta vie comme une entreprise, ressources, charges, bénéfices, et tu n'accordes aucune place à la spiritualité. Tu sais, Clara, avec Arnaud, on s'inquiète pour toi. Ma décision est prise. Et puis je me suis jamais sentie aussi apaisée. Et toi alors? Moi? Bah t'étais toute excitée quand je suis arrivée, qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Oh pff, rien, c'est juste une action qui m'a rapporté pas mal de bénéfices. Et voilà. Tu vois, ma vie à moi est peut-être dictée par un mouvement spirituel, mais la tienne elle est dictée par l'argent, et ça c'est pas mieux hein. Et je suis convaincue que tout ce pognon là que tu te fais en achetant des actions ou je sais quoi, tu le fais au détriment des autres. Les gens décident de ce qu'ils vendent et de ce qu'ils achètent. Oui, mais si tu les connaissais personnellement, ces gens, tu culpabiliserais pas? Alors?
On doit tout arrêter. Get me out of here.